Allez, on se retrouve pour un nouvel épisode en Career Manager. Même si on n'est pas directement au match, je voulais vous dire que ça va être la nouvelle année. Que je vais faire une stratégie pour recruter des. Hop, pour recruter des joueurs et en faire une plus-value. Donc vous voyez, il y a des joueurs en fin de contrat, je vais les prendre et ensuite, quand ils vont arriver dans le club, je vais les revendre. Je sais pas si vous voyez le délire. Comme ça fera une plus-value. Offre du Borussia Dortmund pour Denayer. Pas du tout élevé. Mais attends, je sais pas, 3 millions. Et arrêtez déjà à la fin de saison. Je m'en fous, moi j'en veux 3 millions. À la fin de la saison. Et j'en veux. Allez. Minimum 25 millions. Tu ne comprends pas? Bon, j'étais. Voilà. Donc. Hop. Les joueurs. Oh. Fin de. Contrat, hop. Est-ce que Van Ginkel en a vraiment besoin? Non. Non, on reviendra. On fera une, comme on appelle dans le jargon, plus-value. Allez, on se retrouve. Désolé si vous entendez un peu de bruit. C'est car il y a une manifestation contre le pass sanitaire. Je vous dis pas le bruit qu'il y a. Denayer. Alors que tout le monde crie Macron, ton passe, on n'en veut pas. C'est assez impressionnant d'entendre autant de bruit. Bon, on va se concentrer sur le football et le match qui nous attend face au Stade Poitevin. Je vous mets en accéléré. Allez, on va se concentrer sur le football. Le match qui nous attend face à une N3. C'est étonnant de jouer face à une N3. C'est la Coupe de France, hein, c'est la magie de la Coupe de France peut. Peut-être marcher dans ce match. On verra à la fin du match si on gagne 7 ans ou pas. À la barre. Barre malchanceuse.
Alors que Guingamp est allé au tir au but. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de prolongation. Et Guingamp qui a gagné au tir au but face à Brest. Et Belfort. Oh là là, je vous dis pas la sorte de pénalty. Belfort, ouais, ils ont perdu. Mais. T'as quand même 1, 2, 3, 4, 5. T'as quand même 10 pénalty. T'en as que 3 qui sont dedans. Et Paris qui a gagné 8-0. Il a mis un quadruple au cache-pied, c'est normal. Du coup, je vais vérifier, mais il me semble que qu'il a mis un quadruplé. Ah, la blessure de Léo Dubois, malheureusement. Et je vous ai pas dit, hein, dans cet épisode, on fait d'autres matchs. Allez, ben, récupération de Bernard. Alors qu'on a toujours pas ouvert le score. Ah, bah si, enfin. J'ai oublié de parler. Faudra quand même attendre la 23e minute pour qu'il ouvre le score. C'est honnêtement long pour ouvrir le corps face à une N3. Il ne peut mettre mon temps. Et à forme de se rencontrer. Ouais, l'OL qui est loin d'être convaincant dans ce match. Hein. But de cornet. J'aurais bien aimé gagner 7-1, hein, mais pour moi, je sais même pas si on va réussir à gagner 3-1. Ouais, mais des gros scores, ça améliore la confiance. Voilà. Les Bernard. Voilà. Oh là là. Et le but de Slimani sur 11e de la saison. On est sur la tête qui passe juste à côté du but. Allez, Paqueta qui marque, 4e but pour l'OL.
J'ai un cinquième. Le cinquième, le cinquième, le cinquième. Allez, tous avec moi. Le cinquième, 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 le cinquième. Bam, le triplé pour Slimani. Le sixième, le sixième, le sixième, le sixième, le sixième, le sixième, on veut. On veut le sixième, but, 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 but. Ouais, bon, avant de marquer un sixième but, il faudrait peut-être faire en sorte de ne pas s'en prendre quatre autres. Eh, le sixième de Slimani, le quatrième. Enfin, quatrième de Slimani, sixième de l'OL. Slimani qui marque un quadruplé, c'est assez rare dans un match de football. Il réalise le même exploit que Kin a réalisé plus tôt durant la journée. La frappe de Bernard qui passe à côté. Cherki, on va relancer un peu Toko et Kambi. Si on a le temps, en réalité. Allez, ça va être la fin du match. Fin du match sifflé. L'OL qui s'impose 6-1, sans trop de soucis. Slimani quadruplé, ok, elle est. Ah non, Léo Dubois blessé 3-4 semaines pour une cheville tordue. On va se retrouver tout de suite, hein, mais j'aimerais juste voir. Combien a fait Paris face à Saint-Privé-Hilaire? C'est une N2, ok. On fait 8-0 face à une N2, on a fait 6-1 face à une N3. On est nul en fait. Je vais mouiller en accéléré jusqu'au tirage au sort. Allez, le tirage au sort de la Coupe de France en 16e. Donc, j'aimerais bien tomber. Attends, on va faire nos petits plans avant. Donc, idéal tomber contre. Je pense Drancy, ça peut être pas mal. Ouais, donc l'idéal tomber contre Drancy. Priez tous derrière votre ordi ou votre tablette qu'on tombe contre Drancy. Bon. Bon, après, deuxième idéal, Canet Roussillon. Ok, c'est pris. Troisième idéal, Chartres. Chartres, c'est pris. Aimé. Et oh, 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 oh. Et ils doivent jouer à domicile, Chartres. Hein? Deux divisions d'écart.
Il y en a deux, wesh. C'est assez louche. Oh, pas mal, Romantin. Oh non. Toujours, on va tomber contre Paris au final. Ça va être nul. C'est nul, on tombe contre Paris. Wesh. Ils sont pas gentils avec nous, les autres là. Alors déjà, il faudra m'expliquer pourquoi Chartres joue à l'extérieur. Il n'y a pas un règlement qui dit que quand il y a deux barèmes d'affilée, il y a... Ou alors c'est le Covid qui a fait ça. Ah, à partir de... J'étais même pas au courant qu'à partir du 16e, les évoluants, ceux qui évoluent deux échelons plus bas, ne reçoivent plus. Bon, on va tomber contre Paris. Imaginez Rémi Livalière fait comme dans la revue et crée l'exploit de déjà sortir Nîmes, ce serait pas mal. Ils s'en fait sortir 5-0, donc c'est pas réaliste. Ce jeu n'est pas réaliste. C'est honteux. Et ok. Ok. On se retrouve directement pour le prochain match. À de suite. Allez, on se retrouve pour la conférence de presse avant match. Bon, du coup, on accélère. Allez, on se retrouve. Voilà, on se retrouve. Ça n'a rien d'exceptionnel, hein, de se retrouver. Mais se retrouver dans la bonne humeur, c'est pas pareil. Eh ouais, mon pote. Eh ouais, mon pote. Oh non, non, oh non, non. Qui sont les meilleurs attaquants? Il y a Colli, ouais, j'avais complètement oublié qu'il était toujours dans le club. Non, je zole. Mais il était un peu parti de mon cerveau. Allez. Il a pas de numéro de maillot, Colli. Bon, vas-y, on va le mettre le 9. Hein. Mais je voudrais juste revenir un peu là. Allez, voici la composition de Nantes. Touré qui est quand même le meilleur buteur. 5 buts, c'est pas... C'est bof, quoi. Fusil blasé. Il a clairement pris un but au bout de 20 secondes de jeu. C'est pas le but le plus rapide de la saison. Il va falloir un peu se réveiller, non, les gars? Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, c'est Manu, bien joué, bien joué, petit, bien joué, allez, allez, les gars.
concurrence vite, il marque là, mais ça revient sur les ratés, on récupère de Neuer, Giscidio, Bernard, Aouar, Paqueta, Kimani, Aouar, Paqueta, ça va récupérer, Aouar, Bernard, le sort de Bernard pour la télé match sur le cornet, le Ultimate de Bizarre, c'est exceptionnel, c'est en remontée, face à l'équipe de Michael Lambert. Je sais pas quoi dire, on n'est pas bon. Voilà, on n'est pas au niveau. Lorient qui a gagné clairement dans les arrêts de jeu. Je vous l'entends avec la souris. Trop tard. Les paquets à démarrer sur Slimani, corner, la parade de la fond. Super parade du portier. Français. Guimaraes, Capitaine Guimaraes, Chavoir, Cornet, aïe 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 aïe. Donc ouais, je vous entoure. Hop, 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 hop. Ah, la tête de Koulibaly. Les Paqueta sur la catégorie de Silvio Guimaraes. On va voir qu'il n'est pas bon aujourd'hui. Tout comme Melvin Barr. On va le laisser. Ah voilà. Mitrovic, Guimaraes. Voilà. Je voulais juste dire qu'on va faire ça, qu'on va faire ça. Ouais, Slimani ! Bon, monsieur, du blé de Slimani ! Du Bernal, où elle devait les 3-2, ça se fait pas. Non. Ouh, super parade de Lopez. Non. Il faut vraiment couper, c'est là. Bah non, ça va le faire. Normalement. Tu peux mettre en plus. Ouais, voilà, 4-2. Coup du chapeau pour Slimani. Voilà, ça, moi ça me convient 90 plus 6. Moi ça me convient. J'ai vraiment envie de débuter la dernière seconde, mais c'est bon. Ça me convient totalement. Surtout quand c'est des triplés pour Slimani. Voilà, peu importe qu'il marque pas. Coup de triplé final, elle qui gagne 4-2. On a quasiment fait que dalle à part Slimani qui nous a claqué un triplé. Et heureusement qu'il était là. On était nuls. C'est bon.
N'oublie pas qu'on était mené à 0 et qu'on leur en a mis 4. Donc voilà, on se retrouve pour le prochain épisode. Prochain épisode, c'est avec le LOSC. Donc voilà, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de... Attends, je suis bête. J'ai même pas regardé. Bon, bah, peut-être que c'est la fin. Je pense quand même que c'est la fin parce qu'on a quand même pas mal tourné. Donc voilà, ouais, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de commenter, de partager, de faire tout ce que tu veux. C'était Mathieu 99. Peut-être qu'on se retrouve maintenant, mais normalement. Je vous dis au revoir.